comment? Ben écoute, je te propose de te cambrer par là. Ah, comme ça? Ouais, voilà. Comme ça? Ah ouais, c'est chaud. Salut l'internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que cette vidéo commence, je vais vous parler une nouvelle fois de Soliprono. Vous avez été nombreux à me le demander. Soliprono, c'est un pronostiqueur que je suis depuis des mois et des mois et qui m'a fait gagner plusieurs milliers d'euros. Et comme ces dernières semaines, j'ai encaissé pas mal d'argent grâce à lui, je me sentais obligé de vous en parler. Actuellement, son espace VIP coûte seulement 1 euro. 1 euro symbolique, c'est rien, et ça vous permettra de vous donner une petite idée de son talent. Je vous mets le lien Telegram dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien et à vous laisser guider, et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Et en plus de ça, sur le Telegram, il poste des paris sportifs gratuits souvent. Donc allez-y, même si vous n'avez pas 1 euro. Ciao, bonne vidéo à tous. Salut Internet, c'est Kamof. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale. Certaines personnes nous ont contactés sur Instagram et sur Facebook pour nous dire qu'il y avait des gens, des jeunes, qui s'amusent à jeter des pierres sur les voitures du haut d'un pont. Le pont en question est un pont pas très très haut, mais des jeunes n'ont rien trouvé de mieux que de s'y poser, de jeter les pierres sur les voitures et de partir en courant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ma grosse équipe, nous allons aller aux alentours de ce pont et attendre que des jeunes s'y postent. Si on voit des jeunes s'y poster et jeter des pierres, on interviendra. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que les choses vont bien se passer et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. À tout à l'heure. Donc là, les gars, il est 12h53. Il n'y a personne sur le pont. Personne d'un côté, personne de l'autre. On va attendre un petit peu. Si les jeunes jettent les pierres d'en haut, il y a un petit passage ici sur le côté. Et sur ce côté, on peut accéder facilement à la route d'en haut. On va se reposter, on va attendre un peu. Et quand on voit des jeunes, on reprendra la caméra. Donc voilà les gars, personne, on voit personne. Donc on attend un petit peu. Ouais, il y a une voiture qui passe. Vous voyez comme quoi il y a du passage ici, mais pas énormément non plus. Donc du coup, ça veut dire que les jeunes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas beaucoup de passage, il n'y a pas beaucoup de police. Et voilà, ils peuvent faire de la merde en fait. Regardez les voitures qui passent. Ouais, il y a des voitures qui passent et pour l'instant, il n'y a rien. Ça fait très longtemps qu'on est là. Pour vous dire la vérité, j'ai laissé le caméraman en surveillance. Je suis allé au coiffeur entre temps. Voilà, il y a des voitures qui passent encore. Le caméraman est resté là au cas où, mais ça faisait tellement longtemps, ça fait plus de 2 heures qu'on est là. Et moi je suis allé au coiffeur du temps. Donc voilà, il n'y a toujours personne, on attend encore un peu, je pense qu'on attend encore 1 heure et s'il n'y a personne, on partira. Bon les gars, là, la patience a fini par payer comme vous le voyez, il y a 2 jeunes qui viennent d'arriver. Depuis tout à l'heure, ils s'amusent à jeter des branches, tout ça. Donc il n'y a pas une voiture qui est passée, mais je pense qu'on ne va pas laisser prendre le risque aux voitures de passer. Du coup, je vais prendre la vieille 405 que j'ai. Et je vais passer en dessous pour voir s'ils jettent des pierres. Je vais mettre une caméra dans la voiture. Le caméraman va rester ici. Et on verra s'ils osent jeter quoi que ce soit. Putain, il me montre du doigt. Non, ça va. Ouais. Ils ont rien jeté. Ils ont rien jeté. Vas-y, viens, monte. Par là. Monte. T'inquiète, fais mal, on arrive. Regarde, bande de petits PD. Ok, bouge ta vie. Viens, frère, viens. Ah, 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 bouge ta vie. Ah, viens, viens ici. Viens ici. Oui, c'est bon. Ton collègue. Il est parti, je sais pas, par là-bas. Regarde-moi quand je te parle. Ouais. Viens, on va aller à la... viens, on va à la voiture, elle est en plein milieu. Viens, viens, viens avec moi. Te taille pas, je te le dis. Oh, pourquoi je suis filmé? Comment ça? Pourquoi je suis filmé? Mais pourquoi tu es filmé? Pourquoi tu te dépires sur la voiture? Pourquoi tu te dépires sur la voiture? Vas-y, avance. Je suis en train de m'énerver, avance. Non, regarde, regarde. Quoi? Vois ce que tu as fait, regarde. Regarde. C'est normal ça? Si tu mets le pare-brise, on fait comment? Ouais, c'est bon. Si tu me touches le pare-brise, on fait comment? T'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans? Ouais. Tu connais voir ta mère? Non.
Tu connais les flics? Non, plus, toujours pas. Alors c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? Et derrière, tu as vu ce que je m'en fais derrière? Il est mort derrière, mais. C'est ça derrière, c'est pas moi. Là. Ça. Ça aussi? Quoi? C'est ta mère qui m'a payé là? Non, dégain. Dégain m'a payé? Non. Crois ça, toi? Non. C'est bon, c'est une voiture de merde en plus. Alors écoute-moi, je t'explique, moi j'ai pas ton âge. Je te le dis de suite. Tu me dis pas voiture de merde, tu as compris? Ouais, c'est j'ai bon, pas ton âge, non, mais. Je te le dis, j'ai pas ton âge, t'as compris? Toi non plus. T'as compris ou pas? J'ai pas ton âge, reste tranquille avec moi. T'as compris? Ouais. Tu vois pas, tu as 16 ans dans le cul, tu fais le voyou? Attends. Un petit répond au téléphone, réponds pas. Ouais. Oh. Quoi? Le parleur, de suite. Attends. Quoi? Comment ça, attends? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où, gros? Oh, casse-toi, ils sont avec moi, casse-toi, ils sont avec moi, gros. Comment ça, ils sont avec toi? Casse-toi, ils sont avec moi. Mais c'est vraiment des fils. Mais tu vas faire comment, gros? Gros, taille-toi, gros. Donne-moi le téléphone. Non, donne-moi le téléphone. Gros. Donne-moi le téléphone. Allô? Oh, gros, mais c'est chaud. Allô? Allô, je m'écoute. Ouais. Tu m'écoutes? C'est toi le connard, c'est toi qui a jeté les pierres? C'est toi qui a jeté les pierres? Qu'est-ce que tu veux? Je parle pas avec toi, hein, gros fils de pute. Ok. Quand tu es mon collègue là, pourquoi tu as mon ferme ta gueule, tu m'as gonflé toi. Allez, tiens le téléphone, regarde le téléphone. Non. Ils sont tes parents. Ils sont où tes parents? Ils sont où tes parents? Quoi? Ils sont où tes parents? Mes parents, ils sont chez moi. On va aller voir. Non. On va aller voir tes parents, tu fermes ta gueule. Allez, monte. Ça y est. Non, y'a pas de ça y est. Tu montes avec nous. Vas-y. C'est bon lui, c'est bon. Vas-y, allez, monte dans la voiture. Et monte derrière. C'est où que tu habites? J'ai ton téléphone, dis-moi où tu habites. Sinon je vais appeler ton père. Dis-moi où tu habites. J'habite là-bas, là, la colline. Donne-moi une adresse. Donne-moi l'adresse, c'est où? Quel bouton? On va aller voir ton père. Hein. Parce qu'en plus tu me fais le voyou depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Donc voilà les amis, là je suis avec le petit. On est devant chez toi. Ouais. D'après ce que tu me dis, on est devant chez toi. Ouais. Comme je sais pas si on est vraiment chez lui, je vais pas m'amuser à sonner parce que toi il me prend pour un con. Par contre, pour être sûr qu'on est devant chez toi, le téléphone, tiens, fais le code. Bon. Fais le code. Voilà, maintenant on va faire quoi? On va chercher le numéro de papa. On fait des conneries après, faut assumer. Voilà, et je vais appeler ton père. Bonjour monsieur, alors j'ai le téléphone de votre fils là. Oui, pourquoi il lui est arrivé quelque chose? Non, il n'y a rien arrivé, il a failli lui arriver quelque chose. En fait, je vous explique. Là, je suis censé être devant chez vous selon votre fils. Est-ce que vous habitez bien au. Oui, c'est bien ça. D'accord, est-ce que vous pouvez sortir s'il vous plaît? Parce que je suis devant votre fils, il a fait une énorme connerie et il a de la chance que je ne l'ai pas amené au commissariat. Bien, merci. Question, pourquoi tu retournes? Bonjour monsieur. Je ne peux pas. Bonjour, excusez-moi, on me dérange peut-être. Là, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que votre fils, il était avec un ami à lui. On a les images, on pourra vous les montrer. Oui, parce que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi une caméra? Je vous explique, vous inquiétez pas. De toute façon, votre visage, votre fils, qui s'amuse à faire, c'est d'aller sur le pont un peu plus loin, au pont de la. Là-bas. D'accord. Ouais. Et ce qu'il s'amuse à faire avec un collègue à lui, c'est qu'il se met en haut du pont et il jette des pierres comme ça sur les voitures qui passent. Ouais. Alors, si vous ne croyez pas, on peut vous montrer les images. Oui, j'aimerais bien voir parce que. Parce que c'est ce qu'il a fait. Dis à ton père que c'est pas vrai, dis-lui, vas-y. Dis que c'est pas vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dis-moi, parle, tu as une dingue, non? Non, c'est vrai. C'est vrai? Vous voulez voir les images? Ouais, je vais quand même voir les images. Vous le reconnaissez sur les. Ouais, c'est bien. Donc maintenant, moi je pense que c'est mineur. Hein. Mais s'il avait été majeur, ça serait autrement, je serais allé au commissariat. Oui, mais ça pour ça, parce que je vous explique. Non, mais vous savez, il y a des parents qui passent avec des enfants dans les voitures. Bien sûr. Oh, c'est une vieille voiture, on s'en fout. Mais apparemment, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je vous explique. Hein. À deux doigts, ça tombait sur le pare-brise. À deux doigts. Il vous a fait des dommages ou... Ah oui. Faut que je vous rembourse ou... Combien je peux vous devoir pour votre voiture? Alors, venez voir. Déjà, il y a un. Voilà. Je vous montre le plus gros. Donc ça, c'est votre fils. Bien. Ça, venez voir. Ça, c'est son pote, son collègue, ça. Karim. Karim, ton collègue? Ouais, c'est Karim. On va bien parler, toi, bon, je te le dis. Hein. Je comprends ça, c'est son des... collègue. Quoi? Et ça? Voilà, ça, c'est votre fils. Donc, je vous explique. Moi, je vois très bien que... Je vais te buter. Hein. Non, mais. Je vais pas sacrer, je te le dis. Combien ça va me coûter encore? Combien ça va me coûter? Je suis passé dans la merde. Viens là. Viens. Oh, viens là! Excuse-toi. Pardon.
Pardon qui? Pardon monsieur. Pardon monsieur? Voilà. Combien je vais payer encore? Je sais pas. Combien je vais payer? Je sais pas. Je sais pas? Eh ouais, prends pour un voyou? Où tu vas? Je te parle. Ouais. Je te parle. Je te prends pour un voyou? Non. Je te prends pour un voyou? Non. Écoute-moi. Tes conneries, j'en peux. En menace, je te prends pour un homme. Écoute-moi, on le fait maintenant, je t'éclate maintenant devant les caméras. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur. Réponds-moi, je parle à mon fils. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien? Écoute-moi, tu vas vite reprendre le coach, tu vas vite rentrer à la maison, je vais m'occuper de toi. Rentre à la maison. Ça va? D'accord. Moi, ça me. Juste ce que je veux. Mais je veux vraiment vous rembourser, monsieur. Non, c'est pas un problème. C'est pas grave. Moi, ce que je voudrais, c'est que. Vous inquiétez pas, je vais bien m'occuper de lui. Voilà. Ne m'inquiétez pas. Finissez-le, fassez pas quelque chose. Allez, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Et voilà, il n'y a pas besoin de. Pas besoin de payer, c'est pas grave. Okay. Bon ben, désolé, hein, vraiment. C'est pas grave. Bon, désolé. C'est pas grave. Passez une bonne journée et bon courage. Merci. Bien voilà, les amis, ben, c'est la fin de cette vidéo. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, déjà, pour commencer. Enfin, nous, dans notre équipe, en tout cas, il n'y a pas eu de blessés. Le père, apparemment, a l'air de savoir ce qu'il fait, en espérant que ça ne se reproduise pas. Et voilà, le message que je voulais faire passer à tout le monde, c'est quand vous passez, c'est malheureux hein, d'en arriver là, mais quand vous passez en dessous des ponts, en voiture et tout, regardez toujours qu'il n'y ait pas des jeunes qui s'amusent à jeter ou des trucs, parce que regardez la preuve encore. Aujourd'hui, il y a des dégâts matériels, il aurait pu y avoir des dégâts physiques. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. C'était Kamoff, à bientôt.